Quand nous parlons du déficit énergétique en RDC, nous sommes dans un pays qui a le taux d'électrification le plus bas au monde. Pour deux entrepreneurs à ces moments-là, c'était dit que si nous pouvons résoudre ce problème, nous pouvons avoir de l'impact et nous pouvons créer assez d'emplois. Chez Altech, nous sommes une société qui est dans le secteur des énergies renouvelables. Nous avions commencé avec la lampe solaire, mais en 2019, nous avons introduit les systèmes solaires domestiques. Il est essentiellement composé par un panneau, une batterie, les ampoules, il y a des ventilateurs, une petite radio, aussi une torche portative, une gamme de kits de 32 pouces, et de 24 pouces et de 43 pouces aussi. Nous faisons du porte-à-porte, nous allons visiter les clients, nous l'écoutons et nous comprenons quel est le besoin réel du client. Le client, il paye 1 dollar par jour pour 54 jours. Et s'il termine à payer, la lampe doit être free. Si elle ne paye pas, la lampe doit être coupée. Ici, nous sommes chez client qui a notre équipe de 32 pouces RS. Nous avons besoin de la tête. Juste une fois, nous avons besoin de la tête. Tout au début, là, il n'y avait pas beaucoup de femmes. Nous étions inquiets par rapport aux gens. Et aussi, nous avons reçu plusieurs initiatives qui nous ont aussi encouragés et qui nous ont montré les avantages des agents de vente femmes. Avant, il y a une qualité qui est commerçante. Mais quand il y a une qualité, il y a une qualité. Il y a un terrain, souvent 10h, 11h, mais il y a une sensibilité de client. Je suis à ma lampe torche. Je suis à mon échec souvent. Je suis à mon échec, je suis à mon échec, je suis à mon échec. Et actuellement, nous sommes en train de concevoir notre propre application qu'on appelle Somba Bien, qui va non seulement se focaliser sur la vente des foyers améliorés, mais on va aussi y mettre d'autres produits. Et ça peut aider à Altech d'avoir des fonds journalièrement et utiliser ces fonds pour acheter d'autres produits.